Good morgen, allez, dans les titres aujourd'hui le Lunishmat Morirobi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Nahuda, Sarah Batra Rachel, Shlomo ben Esther, Risha Batraim Nechemia, ainsi que leur fouat, Avram Mori ben Rehout, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Zevachim, Perik Dalet Mishnah Vav, Leshem Shishat Dvarim, Azevach Nisbach, Leshem Zevach, Leshem Zoveach, Leshem Hashem, Leshem Ishim, לשם ריח, לשם ניחוח. והחטאת והאשם, לשם חטא. אמר רבי יוסי, אף מי שלא היה בליבו בכל אחד מכל הדברים אלו כשר, שהוא תנאי בית דין של המחשבה הולכת אחר העובד. משנת חסם, כינוס נוסן כמסה, לשם שישה דברים, הזבח נסבח. או נון דו סיס שוז, לא... Korban, le Zevach, Nisbach, il se fait égorger. C'est-à-dire, on va parler précisément, on va préciser que celui qui égorge un Korban, il doit a priori, d'après le premier avis de la Mishnah, il doit a priori penser le faire au nom de six, avoir six intentions pour rendre le mitzvah, pour offrir le Korban de la meilleure manière. Six intentions. Penser l'Eshem Zevach au nom du Korban qu'il est en train d'être makriv, qu'il est en train d'égorger, à la différence par exemple, donc pour exclure que quand tu l'égorges, que c'est un shlamim, que tu penses que c'est un shlamim, et pas que tu penses que c'est un khatat. Mais il faut activement penser, penser que c'est un shlamim en ce moment. Ça c'est l'Eshem Zevach. L'Eshem Zoveach, c'est avoir l'intention de le faire au nom du propriétaire. Si toutefois je me trompe de propriétaire, j'égorge le korban en pensant que c'est le korban de Réhouven, alors que c'est en réalité le korban de Shimon. Le korban sera aussi, il aura le même statut que si on s'est trompé de l'Hachem, au nom de Shelol Shmo. D'accord ? Il y aura soit pour un khatat, il sera pas soul. Si c'est pour les autres korbanot, alors il sera kasher seulement le halul abéalim et shemprova, comme ce qu'on apprenait. D'accord ? C'est une kavana qui invalide le fait de s'acquitter de porter son korban. C'est les deux premiers. Idem encore pour l'Eshem Hashem, le faire au nom d'Hashem, l'Eshem Hashem, d'accord ? Au nom d'Hashem, d'Akadosh Baruch Hu. Aussi l'Eshem Ishim, avec intention de le faire brûler sur le Mizbeach. C'est-à-dire, si au moment où il égorge, il se dit je l'égorge, mais après je vais le faire brûler sur un petit barbecue à côté du Mizbeach, par exemple, pas sur le Mizbeach, alors c'est une marchava qui va, on transgresse un interdit. Tel que j'ai compris, ça n'invalide pas a posteriori le korban cette fois-ci. Les deux qui peuvent invalider le korban, c'est que les deux premières intentions, l'Eshem Zevach et l'Eshem Zover, tandis que les autres n'invalident pas a posteriori. Mais malgré tout, il faut y penser a priori. Donc ça c'est l'Eshem Ishim, le faire brûler au nom de Esh au pluriel. Il y avait des maharachot, il y avait plusieurs bûchers sur le Mizbeach, il faut penser à le faire brûler chez eux. Ensuite, l'Eshem Reach, avec l'intention littéralement d'en faire une odeur, c'est-à-dire le Bartenor y rapporte, la Fukeim Tzla'an Trila Chutz la Maharacha, pour exclure le cas où il va les faire monter sur le Mizbeach, mais d'abord il va les faire griller en bas. Il va les faire griller sur un petit barbecue, et seulement après les faire monter sur le Mizbeach. Alors là aussi, c'est une mauvaise intention. Pourquoi ? Parce qu'il faut nécessairement, la Torah nous a précisé, le Reach Nichoach l'Hachem, le faire monter en Reach pour Hachem. L'odeur du barbecue, de la viande grillée, c'est essentiellement dès qu'on la met qu'elle est encore fraîche et qu'on la met sur le barbecue, alors que si on l'a déjà fait griller ailleurs et qu'on la met ensuite sur le Mizbeach, alors elle ne va plus dégager son odeur. Donc là, ici, il y a un problème que ce n'est plus l'Hachem Reach. L'Hachem Nichoach, de nouveau, alors l'Hachem Nichoach, je me suis un petit peu perdu là, une seconde. Al-Menat la Satna Khatouach la Kadosh Baruch Hu. Aussi, ça c'est la même chose que l'Hashem Hashem. C'est-à-dire l'Hashem Hashem, c'est pour l'honneur d'Hashem. L'Hashem Nichoach, c'est pour faire plaisir à Hashem. D'accord ? Ensuite, Vea Khatat Vea Hasham, l'Hashem Khet. Une kavana supplémentaire pour le Korban Khatat et le Korban Hasham, étant donné qu'on les apporte à cause d'une transgression précise. Pour le khatat, ça peut être tous les korbanot, toutes les transgressions sur lesquelles on est passé d'un karet, des mézides, volontairement. Involontairement, il faudra apporter un korban khatat. Donc si j'ai mangé du khelev, si j'ai mangé du dam, si j'ai mangé, c'était une transgression de shabbat,
alors il faut que lorsqu'on apporte le korban, a priori, que le Kohen pense que je l'apporte pour expier la faute de Reuven qui a mangé du chélev et ne pas se tromper. Ok ? C'est clair, a posteriori, je crois que ça n'en valait pas ça aussi. Désolé, j'ai pas pu préparer le. Je viens de rentrer à la maison après une nuit d'études, quoi. Donc je me suis dit, je vais quand même faire tourner le cours de Mishnah le plus vite possible. Je suis pas tellement prêt, mais c'est pas grave. Enfin voilà. Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi enseigne. Af mi shelo aya belibo leshem echad mikol elu kasher. Rabbi aussi vient et nous enseigne quelque chose de très important. Quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, mais que Rabbi aussi va utiliser a priori pour permettre le fait de ne pas utiliser d'intention. Il y a une grande règle. Ceux qui ont commencé à étudier le Daf Yomi cette semaine, en étudiant Svachim, on a commencé Svachim en ce moment dans le Daf Yomi, la première grosse suga de Svachim, c'est Stama Nishma. Un korban khatat. Mon korban khatat à cause d'une transgression de Shabbat, alors naturellement, il m'appartient. C'est-à-dire, si le Kohen va l'égorger sans penser à rien du tout, je fais ce qu'il est. Ouais, je sais pas ce qu'il est, on m'a dit de l'égorger, je l'égorge. Il pense à rien du tout. Je m'acquitte de mon devoir d'apporter un korban khatat pour ma faute. La seule intention qui invalide, c'est s'il a une intention négative. D'accord ? C'est-à-dire, a priori, Tanakama nous demande de penser à ces six choses-là qu'on a pensé. A posteriori, si on n'a pensé à rien du tout, le korban, il est encore kasher. Parce que stama lishmo. Minastam, naturellement, il porte son nom. Donc si on l'égorge pour ce qu'il est, eh ben, tu as égorgé le khatat. Selon à qui il appartient, tu la quitteras pour la cause pour laquelle il apporte son korban. Ça, c'est une règle. De ce fait, alors, ouais, avec précision, bien sûr. Alors que si on a une mauvaise intention, on a pensé à le faire pour quelqu'un d'autre, au nom de quelqu'un d'autre, alors là, ça peut invalider, comme tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. De ce fait, Rabbi aussi vient, il nous dit, « Chachamim ont fait un tnaï bet din. » Ils ont instauré, avec un décret du bet din, au Kohanim, ne pensez à rien, faites plaisir à tout le monde, ne pensez à rien, comme ça vous n'allez pas faire de catastrophe. Il vaut mieux apporter un korban. Et toi, le Kohen, tu dis, je réfléchis à rien, je fais ce qu'il faut faire, plutôt que de faire des kavanot et de te tromper de kavanot, parce que là, tu risques de fausser et d'invalider le korban complètement, donc ce sera beaucoup plus grave. Regardez, c'est ce qu'il dit Rabbi aussi. Yama Rabbi aussi. Afmi shelohaya belibo. Même celui qui n'avait rien dans son cœur, l'esham echad mikol elou, il ne pensait à aucune de ces choses-là, de ces 6 et 7 choses-là qu'on a évoquées. Kacher, le korban, il est kacher. Et même, a priori, ça doit être comme ça. Pourquoi ? Shehu tnaï bet din. Car c'est un tnaï bet din. Littéralement, c'est une condition, un décret du bet din. Une clause que le bet din a instaurée. Shehen amarshava olechet achar oved. De faire en sorte que l'intention ne doit pas partir selon... je ne sais pas littéralement comment ça se traduit, mais en tout cas, en amarshava olechet achar oved. On ne demande pas au Oved, celui qui fait le korban, on ne lui demande pas d'avoir une intention pour valider le korban afin de ne pas risquer de l'invalider. D'accord ? Afin de ne pas risquer qu'il va s'embrouiller et qu'il va invalider le korban. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de slachakol tout.